Alors, bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien. Ici, Fabio Le Saint. Avant de commencer, je vais juste faire d'abord un sondage. J'ai pris l'habitude depuis un certain moment de faire des lives chaque dimanche, tu vois. Mais le problème, c'est que sur ma chaîne, actuellement, nous sommes 7700 abonnés, tu vois, plus de 7700. Mais le problème, c'est que quand je fais des lives, j'ai à peine 100 personnes, même difficilement à peine 60. Je pense que la fois où j'ai eu le plus de personnes dans un live, c'était 60 ou 70. Et c'est vraiment bizarre, tu vois. Donc aujourd'hui, je voudrais juste que chacun me dise quelle heure serait la meilleure pour pouvoir faire un live dans le but d'avoir le max de personnes qui vont être dans le live. Parce que moi, mes lives, c'est juste des lives dans lesquels je réponds à vos questions. Je sais que beaucoup de gens me critiquent selon le fait que je ne réponds pas aux questions généralement. Donc je fais généralement les lives pour répondre à des questions que tout le monde voudrait bien me poser. Donc souvent, j'ai fait des lives de 1 heure de temps juste pour pouvoir répondre aux questions des uns des autres. Je ne finis mon live que quand je n'ai quand personne n'a de questions, au fait, tu vois. Donc, je voudrais juste savoir quelle serait l'heure idéale pour vous, pour que au moins le max de personnes puissent être connectées afin que nous puissions faire des lives, échanger, au moins avoir un grand nombre de personnes qui vont être dans un live, au fait, tu vois. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Quelle heure serait la meilleure pour que je puisse faire des lives et discuter avec vous, échanger avec vous, parce qu'on est nombreux, mais il faut aussi qu'on puisse entretenir la communauté, car la communication est très importante et pour moi, c'est un truc que je mets en avant. Donc, ce sera l'occasion que vous me posez vos questions, toutes vos inquiétudes, qu'on échange sur tout et sur rien. Allez, allez en commentaire, dites-moi l'heure idéale, comme ça on va essayer de trouver, voilà, un terrain d'attente et ça serait déjà bien. Dans cette vidéo, j'ai juste envie de répondre à une question. Je vois plusieurs personnes venir me poser cette question suivante. J'ai appris que si je joue en début, là, quand la développeurie commence peut-être le 2 octobre et que je joue pas pendant les 5 premiers jours, je serai sélectionné. Ou bien quand je joue pendant les 5 derniers jours, je serai la chance d'être sélectionné. La vérité, c'est que je vais te partager mon point de vue. Je te dirai ce que je pense de cela. Et je dirais quelle est la meilleure manière pour gagner la développeurie. Alors avant de commencer, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, abonne-toi à ma chaîne Tom, tu sais, Fabio Le Saint. Ben. La vérité, c'est que pour jouer à la développeurie, chacun va de son point de vue, tu vois. Quand il en vient à la développeurie, chacun donne son point de vue, chacun donne ce qu'il pense être correct, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas vraiment ce programme. Et vu qu'il n'y a pas d'informations très, très officielles par rapport au procédé, ou bien par rapport à comment se fait le tirage au sort, ou bien comment est-ce que ces gens tirent les gens au sort, tout le monde va un peu de son point de vue. Et ces derniers temps, j'ai eu des gens qui sont venus vers moi me demandant, et Fabio Le Saint, j'aurais appris que si tu veux être sélectionné à la développeur, bien, si tu veux avoir un max de chances d'être sélectionné, il faudrait jouer pendant les 5 premiers jours après l'ouverture du jeu. Est-ce vrai? Et là, je me suis dit, vous savez, moi, je ne connais qu'une seule manière pour gagner la développeurie. C'est juste de. Comment dire? C'est juste de respecter les règlements, genre faire tout correctement. Donc, que ce soit 5 jours avant, 5 jours au milieu, 5 jours après. Rien ne vérifie cette hypothèse, c'est juste une hypothèse. Peut-être que quelqu'un a fait ça, ça a marché, il en a fait une règle générale, mais de mon point de vue, de ma petite connaissance sur le sujet, ce n'est pas vrai. Si vous voulez être sélectionné à la développeurie, il faut juste bien remplir les conditions. Avoir votre bac ou bien avoir 2 ans de formation professionnelle dans un domaine requis aux États-Unis. Si vous êtes marié, que vous avez des enfants, prenez soin de mentionner ces derniers dans votre inscription avant le dossier, avant que l'interview ne survienne. En tout cas, faites tout correctement et voilà que le reste, c'est la chance, en fait. Le reste, c'est la chance et il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas être sélectionné. Donc, que des gens viennent me dire que ouais, tant, 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 non, c'est pas vrai. Certes, c'est un truc qui a marché pour eux, mais ce n'est pas une règle générale. Nous sommes tous différents. Faudrait pas que des gens prennent leur superstition comme valeur absolue, bien comme vérité absolue. En tout cas, moi, je ne cautionne pas ça. Alors, je pense que vous auriez mon avis là-dessus, parce que c'est ce que je pense sincèrement. Je pense que c'est ce qui se fait.
En tout cas, s'il y a des gens qui ont des connaissances un peu plus approfondies sur le sujet ou bien des gens qui savent vraiment de quoi il s'agit, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. Débattez entre vous, discutons, on va partager nos idées. En tout cas, c'est la raison pour laquelle on est ici. Et entre-temps aussi, je me suis rendu compte qu'en Afrique, il y a des gens qui continuent à jouer à la développeur sans passeport. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au sortir des cyber ou bien au sortir des campus, viennent vers eux dire: Ok, vous savez quoi? La développeur a commencé, ça ne coûte rien, je n'ai juste tenté votre chance. Mais le problème, c'est que c'est sans passeport. Ils le font sans passeport. Vous savez, cette histoire de passeport, c'était un peu le feuilleton de l'été. Tout le monde disait est-ce qu'il fallait un passeport ou pas. Le jeu a commencé, tout le monde a su qu'il fallait un passeport. Maintenant, certains continuent à jouer à ce programme à d'autres personnes sans passeport. Mais le problème, c'est que ils s'en foutent au fait. Ces gens s'en foutent. Ils ont juste besoin de vous dire que vous n'avez pas été sélectionné. Et vous allez dire, ah, vraiment, ce truc-là, c'est vraiment de l'arnaque, ça ne marche pas. Alors qu'eux sont responsables de ce qui s'est passé parce qu'ils ont joué sans passeport. Et on sait tous que si tu joues sans passeport, ton jeu ne serait pas pris en compte. Rappelez-vous, par rapport à DVD19, il y avait 22 millions de personnes qui ont joué à Devil Authority, mais seulement 14 millions de personnes ont été pris en compte. Donc, certes, ton truc va être validé, mais au moment du tirage au sort, tu ne seras pas dans le lot pour le tirage au sort parce que tu ne respectes pas les conditions. Donc, ceux qui n'ont pas de photo correcte ou bien ceux qui n'ont pas de passeport ne seront pas pris en compte. Donc, de grâce, si vous jouez auprès des gens ou bien auprès de quelqu'un, personne dans la rue, et que ces gens vous prennent de l'argent et ne vous demandent pas d'avoir le passeport, posez-vous des questions. Posez-vous des questions parce que ce n'est pas juste. Et aussi, c'est un peu comme si vous jetiez de l'argent par la fenêtre parce que ces gens, ils n'ont qu'un seul objectif. Faire le max d'argent possible sur votre ignorance et sur votre dos. Si vous leur donnez cette opportunité, ils la saisiront et vous serez la seule personne perdante. À la fin, il dira juste que voilà, je viens juste vérifier pour toi, ça n'a pas marché. Voilà, on va essayer une autre fois. Et c'est bon, là, le compte est bon, lui il est ok. Il a fait son argent et voilà quoi donc. Soyez pas ignorants, sachez que pour jouer à la DV 2021, ça a commencé cette année, il faut obligatoirement avoir un passeport. Et ce qu'on demande sur le passeport, c'est le numéro du passeport, la date d'émission du passeport, enfin la date d'expiration du passeport et le numéro du passeport. C'est vraiment les choses qui sont très importantes. Et je reçois aussi des questions des gens qui me posent, qui cherchent à savoir, j'ai juste le reçu de mon passeport, est-ce que je peux utiliser? Si sur votre reçu, bien sûr, votre. Comment ça s'appelle déjà? Ouais, du moins, disons un reçu de passeport. C'est-à-dire que le passeport n'est pas encore imprimé officiellement, mais vous avez juste le reçu. Si sur ce dernier, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, alors jouez, allez-y jouer, au fait. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur pas mal de choses. Ça vous aurait permis de comprendre que jouer au début, jouer avant, ce ne sert à rien. Le plus important, c'est de jouer dans la vague comprise entre le 2 octobre et le 5 novembre. Jouer dans cet espace de temps. Et aussi, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous dire, OK, on va jouer pour toi et qui ne vous demande pas le passeport, posez-vous des questions parce que pour la DV 2021, il faut obligatoirement jouer à la Devloterie avec un passeport. Au cas contraire, votre jeu ne serait pas pris en compte. Donc, soyez vigilant, ouvrez l'œil. Ne vous faites pas arnaquer, ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas duper. Et voilà quoi, c'est la raison pour laquelle des gens comme moi, comme Marcel Lipiano ou bien comme Herman faisant des vidéos pour vous sensibiliser, également des gens comme Bibi Givorienne, pour que vous sachiez que voilà quoi, pour les choses avancent, il faut quand même qu'il y ait des gens pour créer l'information et nous on le fait à cœur joie. Tout ce qu'on vous demande, c'est juste de laisser des pouces bleus, de vous abonner à notre chaîne, de demander la force. Et voilà quoi, je te souhaite juste de passer super nuit. Allez, tu prends soin de toi. Fabuleux symptôme, tu sais.